Non. Un album de Tracey Corduroy et Tim Warness. Arthur était adorable. Tout le monde le disait. Comme il est mignon, qu'il est gentil. Regardez ce joli fossette. Puis un jour, Arthur a appris un nouveau mot. Non! Arthur adorait son nouveau mot. Il le disait donc de plus en plus. Il le disait au repas. Non! Il le disait à l'heure du bain. Non! Et il le disait chaque soir au moment d'aller dormir. Non! Quand c'était l'heure de sortir, Arthur se préparait. Mais au moment de mettre son manteau, non, non, non! Arthur arriva à l'école avec son nouveau mot. Tu me donnes tes affaires, Arthur? Non. On peut jouer aux dinosaures, Arthur? Non. Ceci lui valut quelques soucis. Bientôt, Arthur n'eut plus que ce mot à la bouche. Mais parfois, il le regrettait. « Voulez-vous une petite surprise ?»« Oui, 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 oui !»« Non !»« Youpi !»« Zut !»« Viens, Arthur, on fait le petit train !»« Non !»« Où sont-ils tous partis ?» Avec le temps, son petit mot devint un gros, gros problème. « Vous feriez bien de rentrer, il va pleuvoir. »« Non, 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 non !» Et quand papa lui demanda en venant le chercher, « Tu as passé une bonne journée ?» Arthur renifla doucement. « Non !»« Tu veux un câlin ?» proposa papa. « Oui !» Maintenant, Arthur a un nouveau mot préféré. « Hé, Arthur, tu viens jouer ?»